m'appelle Marcel Landry. J'ai été délégué syndical CGT depuis mon entrée à la papeterie en 67 jusqu'à mon départ en 2003. On a commencé à avoir des problèmes en 80. Il a fallu mener la lutte pour pouvoir maintenir la production à nos villas. C'était clair, où on se battait, où on partait tous au chômage. Du papier aux automobilistes, en leur expliquant la raison de notre mouvement. La route nous a bien servi, parce que chaque coup qu'on voulait faire quelque chose, c'était la route. La route, la voie ferrée, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. On habitait à côté de l'usine, dans les cités. Tout se faisait avec l'usine. On se coupait, on s'esquintait. C'était l'infirmière de l'usine qui nous soignait. Il y avait 700 personnes à cette époque-là.